Donc, je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire Semper, consacré à l'écriture en dehors du monde manuscrit. C'est un webinaire qui est co-organisé cette fois-ci par le CESCM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers, et le CRFJ à Jérusalem, donc le Centre de recherche français à Jérusalem, où je suis en ce moment. Donc, la séance d'aujourd'hui, en fait, elle poursuit une thématique qu'on avait lancée l'an dernier, qui était consacrée. Ah, attendez, j'admets en même temps les gens. Donc, voilà. Qui était consacrée, enfin, sous forme d'une interrogation, hein, aux écritures éphémères, en essayant de remettre en question un élément fondamental de la définition de l'épigraphie, qui était la durabilité. Et dans ce rapport au temps, bien, c'est poser la question. Des graffitis, évidemment. Mais avant même de les traiter, avant même de traiter cette écriture et ce type d'écrit, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir l'enregistrer on peut dire que l'épigraphiste est assez souvent démuni par rapport à cela. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à des collègues dont ce n'est pas forcément le champ disciplinaire premier, on va dire, ou même pas du tout, mais qui ont des compétences particulières et particulièrement précieuses et qui ont accepté de relever le défi. Et je vous remercie tous de cela. Et donc, aujourd'hui, on va avoir quatre présentations suivies de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en deux temps. Peut-être les deux premières, dont Jacques Bayarja et Hervé Arlot, puis Nicolas Mellard. Ensuite, on pourra prendre un temps de questions. Et puis, en deuxième temps, Antoine Cazin, Daniel Morlegen et Clément Dussard. Et ensuite, encore une fois, suivi de questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc, à Jacques Bayarja et Hervé Arlot, qui sont de Poitiers, mais d'un institut du CNRS aussi, mais complètement différent d'une autre, puisque c'est l'Institut P', qui est pour... qui travaille sur l'énergie en matériaux mécaniques et énergétiques pour les transports, l'énergie et l'environnement. Vous voyez que c'est un champ bien différent, mais qui nous est très utile justement, parce que comme le titre l'indique, ce sont les transferts des techniques d'imagerie utilisées en mécanique des fluides, qui ici adaptées aux prises de vue des graffitis. Donc, encore une fois, je les remercie beaucoup. Et puis, Jacques, c'est quand tu veux pour partager ton écran. Est-ce que tout va bien? Alors, avant que tu commences, peut-être que si chacun peut fermer sa caméra, comme ça on n'aura pas trop de problèmes de bande passante, et puis éteindre aussi le micro, comme ça on te laisse entièrement la voix. Très bien. Bien, alors, donc, comme disait Estelle, effectivement, on est dans des techniques, dans des thématiques qui n'ont rien à voir avec justement les typographies. Mais où on a aussi besoin de faire de la prise de vue et puis de faire des traitements sur ces prises de vue pour obtenir ou des vitesses ou des choses, des concentrations, etc. Des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec les graffitis, mais qui peuvent s'y appliquer. Alors donc on va partir, si ça va y aller, voilà. Donc, la prise de vue de graffiti, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, nous, là, on a découvert ça l'an dernier lors de plusieurs rencontres avec les gens de Poitiers, du Centre d'études supérieures. Et donc, on a mis en évidence les problématiques. Donc, on a souvent des supports qui sont altérés, on a des choses qui ont disparu, qui ont été abîmées avec le temps. Alors, on a toujours des techniques qui permettent de faire de la prise de vue, apparemment, qui sont déjà en fonctionnement. Hein, bien sûr, la prise de vue avec une lumière rasante, avec un appareil photo. Et puis, on traite et puis on essaie de faire des choses avec une prise de vue qui n'est pas souvent intéressante ou qui n'est pas souvent faite avec le mieux de la technique. Mais pour moi, ça reste insuffisant et c'est quand même la chose la plus importante, la prise de vue,
puisque tout part de là. C'est-à-dire que si la prise de vue est mauvaise, eh ben, le résultat sera toujours mauvais parce que malgré tous les traitements numériques qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui sont très perfectionnés, certes, mais on ne pourra pas sortir d'une image quelque chose qu'il n'y a pas dedans. Alors, par exemple, ben voilà un exemple. Bon, c'est un exemple que j'ai pris sur le site et puis j'ai fait un petit traitement. Alors, avec quelque chose d'un peu original qu'on utilise, nous, en développement 3D. Mais ce développement 3D, il est axé sur la luminosité. Donc, en fait, ben, on voit que quand l'éclairage n'est pas bon, ben, on a une bosse. Hein. Donc, la hauteur représente le niveau d'intensité lumineux. Et donc, effectivement, on voit bien que on arrive à faire ressortir le graffiti un peu mieux. Nous, on utilise ça pour d'autres choses. On utilise ça, par exemple, pour regarder les profils spatiaux de laser. Bon, ben voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup plus parlant qu'une image plane, mais là, ben, pas vraiment. Hein, on fait la deuxième, mais là, effectivement, ça apporte quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que, effectivement, il faut faire un éclairage homogène à la prise de vue si on veut faire un bon développement 3D. Donc, en fait, déjà, il va falloir soigner la prise de vue, ce qui est, comme je vous disais, le plus important. À mes yeux, hein, après. Donc, est-ce qu'il y a d'autres techniques? Alors, nous, on utilise des techniques de reconstruction tomographique. Alors, reconstruction tomographique, c'est quoi? On va prendre avec un capteur, avec un capteur, enfin, un appareil photo, avec une caméra, avec peu importe, un appareil de prise de vue, on va prendre plusieurs images, plusieurs photos à des angles différents. Et puis, on va reconstituer ensuite cette image qui va devenir une image tridimensionnelle. Alors, évidemment, nous, on s'intéresse à des objets dans l'espace, par exemple des particules ou des choses comme ça. Alors, évidemment, c'est plus adapté à ce qu'on fait. Mais le graffiti, c'est quand même quelque chose qui est un relief. Enfin, c'est quelque chose qui est creusé dans la pierre. Donc, en fait, on est quand même sur quelque chose qui est tridimensionnel. Donc, peut-être que ces techniques pourraient s'y appliquer. Alors, évidemment, ça intègre beaucoup de techniques derrière. Hein. Je parlerai de la microscopie confocale. Je parlerai de tous ces outils qui sont à base de ce genre d'algorithme qui utilise ces algorithmes-là pour reconstituer une image tridimensionnelle à partir d'une prise de vue qui est uniquement en 2D. Alors, les autres traitements numériques, et je pense que c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés au traitement de ce genre d'image, bien sûr, donc il va falloir faire de grosses modifications, mais nous, on utilise autocorrélation et intercorrélation. C'est quoi? C'est un traitement statistique qui va permettre de dire, de regarder autour en définissant un cadre, regarder autour quel est le niveau d'intensité de chaque pixel tout autour d'une pixel et d'un cadre de pixels qu'on aura défini. On va avoir donc un traitement statistique, on va voir apparaître, bon, évidemment, le relief qui va être la chose la plus visible dans le truc. Donc, on risque peut-être qu'avec ces techniques de l'amplifier et donc de faire ressortir des choses du relief qu'on ne voyait pas forcément a priori au départ. Alors, évidemment, ça me permet d'avoir envie de développer quelque chose, un outil qui va pouvoir nous servir à faire des prises de vue et puis de traiter les images avec une série de créer cette série d'images avec un algorithme qui n'est pas forcément fait pour ça, qu'on va modifier. Enfin, bon, j'ai accès à ces algorithmes de manière ouverte, c'est-à-dire que je peux aller les modifier à l'intérieur pour pouvoir les adapter, parce que là, par exemple, nous, on s'intéresse à ces algorithmes pour aller chercher des particules, tracer des particules et le mouvement de particules. Bon, là, on est, ce ne sont pas des pixels illuminés, mais des pixels noirs qu'on va chercher. Donc, pour inverser, enfin, il y a un peu de traitement à faire avant et après. Donc, dans l'idéal, un appareil qui servirait à faire cette prise de vue, ce serait un matériel de prise de vue portatif. Évidemment, il faut pouvoir se déplacer sur les sites. Alors, ce que je n'ai pas précisé, mais je le dirai après, il faut aussi pouvoir parfois aller faire des photos à des grandes hauteurs ou à des endroits complètement inaccessibles. Donc là, effectivement, là, c'est aussi un critère. Donc, du matériel transportable, facile, pas trop encombrant, pas trop voyant hein, aussi pour les sites sensibles. Hein. Bon, quand on est sur des sites comme où est Estelle actuellement, il n'est pas question d'arriver avec un camion de matériel et puis de déplier tout ça comme ça, ce n'est pas aussi simple. Donc, quelque chose de discret, pas de flash, pas de lumière intense. Il ne faut pas que ça coûte trop cher parce que, ben, effectivement, sinon, ça va être,
ça va être des investissements conséquents et puis il faut effectivement qu'on puisse fabriquer à peu de frais ou de détourner du matériel existant, c'est-à-dire détourner un appareil photo et puis l'adapter des choses, faire ce qu'on a envie de faire en fait. Alors, je reviens un peu en arrière et je veux vous parler des essais qu'on a faits, nous, avec le CESCM, d'éclairage en lumière cohérente. Alors, l'idée, moi, je travaille sur les lasers et donc, sur les lasers, on a des phénomènes qui sont intéressants, notamment qu'on appelle les tablures ou les speckles en anglais. Et donc, c'est à l'interface laser-matière, on a toujours des. On a ces speckles qui apparaissent quand on a des défauts de surface. Alors bon, évidemment, ça fait tilt. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas transposer ça pour regarder un graffiti? Effectivement, si à l'interface laser-matière, on a des tablures qui apparaissent, hein, si on a des tablures qui apparaissent, on pourra peut-être beaucoup mieux discriminer les reliefs. Alors, on a essayé des essais. On a fait des essais sur deux longueurs d'onde, donc 620 nanomètres, qui est le rouge et le vert. Et puis, on s'est aperçu qu'effectivement, ça ne fonctionnait pas très bien parce que on a un support qui est rugueux, donc qui génère du bruit de fond de manière énorme. Et oui, puisque si on avait une surface parfaitement lisse, et puis ces gravures à l'intérieur, bien entendu qu'on les discriminerait facilement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, l'image est écrasée par l'intensité et donc on ne voit plus les contrastes. Donc, l'idée m'est venue de faire ça avec des sources pulsées qui seraient. Poserait peut-être moins de problèmes, ou alors un balayage, enfin quelque chose où on ne mettrait pas tout le support sous la lumière et donc qui nous permettrait de mieux discriminer. Alors voilà, alors tablures en sortie de fibre optique, là ce sont des tablures qui apparaissent au saut d'indice en fait. Là on sort d'une fibre, bon, j'ai mis une image parce que c'est joli, mais ça montre un peu la nature de ces choses. Ça fait des petits grains qui sont facilement perceptibles, en fait, et qui amplifient. Alors nous, quand on regarde une surface lisse avec un défaut, immédiatement apparaissent sur le défaut ces petits grains de lumière qu'on aperçoit. Alors, dans les deux longueurs d'onde, hein, c'était pour la démonstration, effectivement, le rouge a l'air moins pertinent, mais en fait, c'est parce que notre œil est moins exercé au rouge qu'au vert. Le vert étant la couleur vraiment où l'œil humain a le plus de réaction. Alors donc, on a fait une prise de vue avec un éclairage laser divergent à 620 mètres. On voit bien effectivement la gravure, mais bon, voilà, a priori, en lumière blanche, ça fait pareil. Donc, c'est quand même pas. Je m'attendais à quelque chose de plus probant que ça. Bref, on tourne la page et puis on a essayé autre chose. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle des bidouilles. Alors, les bidouilles, ça peut être un terme péjoratif, mais ça l'est pas pour moi. C'est la bidouille au sens noble, c'est-à-dire que comment on détourne du matériel qui n'est pas fait pour ça, pour l'utiliser, pour l'usage, nous, qu'on a décidé de l'utiliser à ça. Donc, par exemple, ce qu'on s'est aperçu, c'est que. Le problème était aussi qu'on était à distance du phénomène. Donc, on s'est dit, le scanner à main, le document, peut-être que lui représentera quelque chose d'intéressant puisqu'il va être en contact assez intime avec le support et peut-être qu'on aura des choses intéressantes autour. Alors, évidemment, le scanner de document à main, il nécessite un contact avec le support, avec le risque de se faire, d'abîmer le support, ce qui est quand même dommage et puis ce qui sera surtout pas toléré. On a aussi besoin de beaucoup d'espace autour de l'inscription, ce n'est pas toujours possible quand c'est exigu. C'est pas cher, c'est une très bonne résolution, et puis c'est portable et autonome. Et puis on a l'autre version, le lecteur de code barre. Donc nous, on a essayé le scanner de documents, le lecteur de code barre, c'est un futur test, parce que ça, il faut qu'on essaie, ça peut être intéressant. Donc, après l'essai de lumière laser, je me disais, on a essayé d'utiliser un scanner de documents. Donc, éclairage localisé très proche, très intéressant, forte résolution, hein, 900 points par inch, par pouce. Ça coûte pas cher, c'est autonome, c'est facilement transportable, et puis, c'est pas perturbé par l'éclairage ambiant. C'est une chose aussi qui est ennuyeuse, c'est que l'éclairage ambiant,
peut poser des problèmes à la prise de vue, et notamment ce que je disais au début, où il faut qu'on ait une lumière homogène si on veut faire un bon traitement. Donc voilà l'outil merveilleux, hein, qui coûte quelques dizaines d'euros sur Internet et ailleurs. Donc, mais alors, bon, bien sûr, il ne fonctionne pas comme ça, puisqu'on est obligé de faire un dispositif pour le poser, enfin, qui se pose délicatement sur le graffiti et où vient passer le scanner pour obtenir les photos. Et puis voilà ce qu'on obtient. Et puis, donc, on a donc l'image de base. Hein, on voit qu'effectivement, l'image n'est pas très nette, c'est normal. On est un petit peu plus loin du support que d'une feuille de papier. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi modifier cet appareil pour avoir une focale plus longue, un petit peu plus longue, qui nous permettrait d'avoir plus de netteté, mais avec un traitement derrière, on voit quelque chose qui, a priori, peut sembler intéressant. Mais c'est là où on se dit, où je me suis dit quand j'ai vu ça, je me dis, c'est la même prise de vue qu'on a fait au laser. Et puis, je m'aperçois qu'au laser, on a fait complètement disparaître toutes les traces noires et les traces de peinture. Et donc, finalement, est-ce qu'un éclairage à une longueur d'onde fixe avec un filtrage adapté ne permettrait pas d'avoir plus de résolution? Alors, il faut qu'on essaie ça. Et puis, donc, dernier développement qu'il va falloir essayer bientôt, là, donc, la reconstruction d'images multiples, je vous en parle au début, hein, le principe de reconstruction tomographique, mais qu'on adapte à la prise de vue de graffiti, c'est-à-dire on fait plusieurs images. Alors on a commencé par quatre images avec quatre points d'éclairage différents. La position, alors donc on change le capteur ou on change l'éclairage, mais pour l'instant ce sera l'éclairage. Et puis après on va reconstruire une image précise en retranchant les pixels identiques, mais aussi en faisant de l'intercorrélation entre les images de manière à ne garder que les zones d'ombre qui sont distribuées la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on va arriver sur le... Normalement, on va revenir à la gravure elle-même. Donc, on obtient une image reconstruite où seules vont subsister les différences entre les images captées avec des angles d'éclairage différents. Donc, il faut un dispositif, donc prototype, il permet une prise de vue de quatre photos chacune, intégrant un réglage différent, et puis avec une résolution de 5 mégapixels là, pour commencer, avec du 12 mégapixels en possibilité. Et puis on utilise un petit nano-ordinateur Raspberry Pi avec une caméra et puis un dispositif d'éclairage avec des LED de puissance infrarouge. C'est-à-dire qu'on est dans, on n'est plus dans le visible, on est dans l'infrarouge. Alors c'est intéressant parce que ça ne se voit pas, l'œil ne le voit pas, mais par contre, ça permet de visualiser des choses intéressantes. Donc, j'ai juste fait des essais, des photos sur un mur rugueux. Hein. Je n'ai pas pu faire des essais sur un site, mais on va le faire dès que possible. Donc, voilà le prototype. Hein. Donc, c'est une croix avec chaque bout. Donc, on a au milieu le dispositif de prise de vue avec le petit nano-ordinateur, l'écran qui permet la mise au point, parce qu'il faut quand même faire une mise au point de la caméra, donc avec un éclairage aussi infrarouge. Et puis, quand on regarde de l'autre côté, bon là, la caméra n'était pas posée, mais on voit donc le dispositif d'éclairage infrarouge. Alors, c'est une LED de puissance qui fait 5 watts, donc c'est très puissant. Et ça permet d'obtenir un... Alors, c'est du matériel détourné, d'obtenir un éclairage assez conséquent. Et c'est du matériel détourné, puisque ce sont des dispositifs d'éclairage de webcam, hein, tout simplement. Et donc qui permettent d'éclairer le sujet à un sujet la nuit, par exemple sur les portiers, sur les dispositifs d'interphone. Donc voilà le module LED infrarouge. Alors c'est une LED infrarouge qui a une lentille adaptative derrière et qui fait donc un champ assez homogène. Et puis de plus proche, donc on aperçoit la caméra au milieu. Hein. Je peux faire un... Oui, je peux déplacer la souris. Donc la caméra est là. Ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas mis là, c'est le filtre donc, que j'utilise, c'est du RG1000. Donc il y a une bande passante centrale à 1000 nanomètres, c'est-à-dire dans l'infrarouge. Le dispositif d'éclairage qui va servir à faire la mise au point. Et puis bon, l'électronique qui permet de commander les quatre autres LED. Et donc... Le dispositif fait automatiquement quatre photos avec un éclairage à chaque fois, donc il allume les quatre coins, et puis il stocke les quatre photos sur le nano-ordinateur qui est dessous, et puis on a dessous la batterie d'alimentation. Alors bon, c'est du bricolage, hein, c'est un prototype.
mais on pourra faire quelque chose de beaucoup plus compact et peut-être beaucoup plus petit. Il y a d'autres choses à tester quand même, et notamment plusieurs capteurs aussi. Hein. On peut facilement installer plusieurs capteurs sur ce genre de nano-ordinateur. Et l'intérêt, c'est qu'on stocke tout sur une carte SD ou sur une clé USB, puis après, on peut aller la traiter tranquillement. Et peut-être qu'on pourra même carrément faire un traitement local très réduit, hein, parce qu'il a quand même des possibilités assez intéressantes, le nano-ordinateur, et donc pour avoir quasiment affiché sur l'écran le résultat. Donc, si ça fonctionne, ce sera formidable. Donc, les essais, ben, on a encore du travail si on veut arriver à améliorer tout ça, parce que ben, y a beaucoup à faire, en fait. On a beaucoup de choses à essayer. Les prises de vue au scanner à main, il faut augmenter. On a fait ça en basse résolution, hein, donc le résultat est déjà bien comme ça en basse résolution. Donc, qu'est-ce que ce sera avec une haute résolution ou la résolution maximale? Et puis, essayer le prototype d'appareil, donc de prise de vue avec... En conditions réelles, donc on va aller dans l'église Saint-Hilaire, hein, je vais continuer à travailler sur les mêmes vues, de manière à voir si ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. Bon, automatiser les traitements des images, mais ça, bon, les images qui vont être issues du proto, bien sûr, qu'il va falloir faire un traitement, mais on ne va pas à chaque fois faire un traitement, adapté qui va fonctionner immédiatement et qui va nous permettre d'avoir une image presque immédiatement ou dans un faible délai, savoir si on est dans les, si ça s'est bien passé ou pas. Et puis, suite à cette remarque, là, entre les deux prises de vue, celle avec le laser rouge et puis celle avec le scanner, donc essayer de faire des prises de vue avec des éclairages monochromatiques, c'est-à-dire un filtre et puis un filtre à longueur d'onde de l'éclairage. Ça peut être du laser, ça peut être de la LED, peu importe, mais on a essayé la polarisation, mais on peut essayer aussi le filtre monochromatique. Et puis, les essais en mode lumière laser pulsée pour voir si on obtient un résultat meilleur avec une impulsion plutôt qu'un laser continu. Et puis, le scanner de code barre modifié pour avoir justement une focale un peu plus longue qui nous permettrait d'avoir vraiment une image beaucoup plus nette. Donc voilà, j'en ai fini. On va laisser le suivant et puis je vous attends pour les questions après. Merci beaucoup Jacques. Donc vous avez tous compris qu'on a commencé par ce qui était le plus exploratoire. Voilà ce qui était encore qu'on a lancé il y a un an maintenant, et puis avec le confinement on n'a pas pu tout à fait continuer les essais, mais ça va se faire. Et donc voilà. Et en fait c'est une rencontre un peu qui s'est faite un peu par hasard par des collègues interposés, et on s'est dit, voilà. Nous on était intéressés par leurs compétences, on avait des besoins, des attentes, et eux avaient ça à nous fournir, donc c'est une belle rencontre, je dois dire. Donc on passe tout de suite à la présentation de Nicolas Mélard, qui est depuis un peu plus d'un mois maintenant, qui a des nouvelles fonctions au Musée d'Histoire Naturelle de Lille en tant que responsable des collections et des expositions, mais qui était précédemment au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, et qui a particulièrement travaillé, il va nous en parler aujourd'hui, sur les graffitis du Château de Selles à Cambrai. Alors Nicolas, je vous laisse... Pareil, partagez votre écran. Merci. Vous voyez mon écran, je suppose? Oui, c'est bon. Et on coupe nos micros. Je parle moins. OK. Donc, merci Estelle pour cette invitation à ce séminaire. Je trouve ça passionnant. J'étais déjà auditeur des... Et c'est vraiment... C'est à chaque fois des séances très stimulante et que je trouve très importante. Donc, merci de l'organisation de ces webinaires, toujours dans des situations un peu bizarres, mais on commence à s'y faire. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui pas seulement une technique, mais plutôt un contexte de l'application, en fait, de l'imagerie scientifique appliquée au patrimoine à travers un exemple que je suis maintenant depuis... 9 ans. L'année prochaine, on aura 10 ans du Château de Selles, donc des recherches programmées au Château de Selles, en tout cas des recherches que je partage avec mes collègues. Et donc,
je vais dresser un petit peu le contexte aussi dans lequel s'inscrivent toutes ces démarches d'imagerie appliquées à ces problématiques. Donc, pour situer rapidement, le château de Selles, c'est un monument médiéval. Il se trouve dans la ville de Cambrai, dans le département du Nord. Vous voyez indiqué sur le plan de la ville. Il a une situation un peu particulière parce qu'il a été intégré lors de son histoire dans la fortification moderne. Alors, cette intégration au XVIe siècle sous Charles Quint est peut-être un peu malheureuse pour l'aspect général du bâtiment, mais le fait qu'il a été emmoté par la fortification moderne l'a finalement protégé de sa destruction, ce qui était le sort de pas mal d'autres châteaux forts à l'époque qui ne répondaient plus aux nouvelles attentes de stratégie militaire. Donc voilà, le château de Selles est un château médiéval enterré, en tout cas à moitié. Et puis la dernière grande transformation a eu lieu dans les années 80 où l'ancien hôpital militaire a été transformé en palais de justice. Donc ici un plan, alors vous voyez la partie verte, c'est la partie de la masse de terre qui a été donc construite au XVIe siècle, et vous voyez sur la photo donc ce que vous voyez aujourd'hui dans le jardin qui est au pied du palais de justice, c'est encore les murs, une partie en tout cas des murs du Moyen Âge qui sont apparents sur le parc. Donc à l'intérieur, vous avez quelques couloirs qui ont encore leur aspect lumineux médiéval, avec les archères qui laissent entrer quand même un peu de lumière. Mais très vite, vous allez vous enfoncer dans le noir et on arrive donc dans les salles où les archères sont complètement obstruées parce qu'ils sont derrière et avant la masse de terre de la fortification moderne. Là, vous voyez déjà l'intérêt du château, c'est que, enfin, l'intérêt qu'on lui donne en tout cas aujourd'hui, il a été appelé dans les années. Alors, c'est peut-être c'est un peu fort comme mot peut-être, mais c'est vraiment un site qui est très très riche en gravures et graffitis, notamment par le fait qu'il n'a pas été fortement modifié, comme il était un peu figé dans le temps par ses travaux au XVIe siècle. Donc, ce qu'on trouve à l'intérieur, quand on sillonne les murs et quand on regarde bien, pareil, bon, avec des photos adaptées, là, c'est des photos des années 80, notamment en noir et blanc, en tout cas, du service de l'inventaire, avec de la lumière rasante. Donc, vous voyez, il y a des productions graphiques, mais aussi des écritures un peu partout qui sont assez extraordinaires. Alors, les auteurs, il y a beaucoup de gravures de prisonniers, parce que c'était un site donc, du comte d'évêque de Cambrai qui enfermait aussi les personnes qui attendaient leur jugement. Alors, pas mal de témoignages, mais pas seulement. Donc, voilà un petit peu une ambiance. Vous avez surtout les archères. Alors, forcément, on peut très bien imaginer que c'était des lieux, des endroits privilégiés, parce que c'est là où la lumière du jour rentrait, et puis on avait déjà à l'époque cette lumière rasante qui permettait aussi de voir qu'est-ce qu'on est en train de graver. Parce qu'effectivement, entre les archères, il faisait quand même assez noir. Je parlais de texte. Alors là, le château de Selles nous parle de lui-même. Alors, je vous cite ce beau poème. « Mon cœur est rempli de tristesse et de douleur à cause de cette maudite fortune qui a fondu sur moi. Loin de liberté, cette belle dame, elle m'a banni, écarté et mis en la tour de captivité en laquelle j'endure de tant de tristesse, tant de mélancolie, tant d'impatience, aussi d'âme espérance également. Mon amie Florence, je serais tombée en désespérance. » Charles Augier, donc, qui est un prisonnier, qui nous donne tout son témoignage, beau témoignage, avec une écriture vraiment très très belle sur cette pierre, son état d'âme en tant que prisonnier au château de Selles. Donc, je n'ai rien à rajouter à Charles Augier, c'était juste pour vous montrer aussi la qualité, enfin aussi bien rédactionnelle qu'en termes de qualité des graffitis qu'on peut trouver au château de Selles. Cet intérêt a été découvert au XIXe siècle pour les premières mentions, mais surtout dans les années 80 donc par
notre cher chasseur des graffitis, Serge Ramon, qui vous parle peut-être, parce qu'il a quand même sillonné la France pour faire des empreintes de plâtre, de plastiline d'abord, et des tirages de plâtre, de gravure à travers les âges. Hein. Il commence à la préhistoire dans la forêt de Fontainebleau, et ça va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, hein, du coup, à Verneuil-en-Alatte. Dans son musée de la mémoire des murs, on peut donc admirer ces moulages et même les petits dioramas où on peut voir de manière un peu kitsch. Quand on va dans le château de Selles, on est alerté par une situation où certains des gravures se dégradent. Alors, il y a des processus physico-chimiques. Les murs sont attaqués par un sel qui s'appelle la thénardite. Les pierres sont en calcaire assez avec une grande fraction crayeuse, donc très fragiles et très sensibles à ces sels qui se cristallisent, qui passent vraiment des phases cristallines et liquides assez rapidement. Surtout qu'ils changent de volume. Alors, du coup, on a à certains endroits des effets de déformation assez alertantes, où là, vous voyez que le mur se transforme quasiment en poudre à certains endroits. Donc, le moulage, comme le faisait Serge Ramon à l'époque, c'est vraiment plus du tout envisageable. Le site est absolument fermé au public actuellement, depuis 15 ans déjà, quasiment 20 ans. Donc, le projet de recherche que je vous présente ici, c'est un projet de sauvegarde, en fait, une sauvegarde par l'étude. Moi, effectivement, Estelle disait, on n'est pas des spécialistes forcément de l'époque médiévale ni de l'écriture. Alors moi, je suis préhistorien à la base. Je l'ai peut-être même choisi parce que je ne voulais pas m'occuper de l'écriture à la base. Donc, vous voyez, je reviens vraiment de loin. Donc, pour moi, c'était une approche d'art rupestre, en fait, du reprographisme difficilement à lire et qui sont en péril, un peu comme les grottes ornées. Il me manquait terriblement dans le nord, où j'étais content de découvrir le château de Selles. Et puis, on a composé donc avec ma collègue Virginie Motte, à l'époque, au service régional de l'archéologie du Nord-Pas-de-Calais, une recherche programmée qui s'attelait à rassembler des approches d'imagerie, mais aussi des études donc approfondies, des contenus pour mettre en lumière ce patrimoine qui est quand même assez délaissé encore aujourd'hui par la recherche. Donc voilà, vous voyez un petit peu le nombre personnes qui se sont accumulées au cours de l'année. Donc, c'est quelque chose de vraiment, c'est un travail collégial et interdisciplinaire obligatoire pour appréhender un sujet aussi vaste et complexe sur les termes techniques, mais aussi sur les contenus historiques, forcément, parce que je suis toujours incapable de lire les textes que les Monts du Sar, que vous allez entendre après aussi, peut nous lire. Donc, je salue par ce biais-là vraiment tous les collaborateurs qui sont à mes côtés depuis de nombreuses années. Donc, voilà, le dernier gros travail de recherche qui a été mené sur le château de Selles, c'est parfaitement la thèse donc, de l'école des chartes de Clément sous la direction de Mark Smith. Et voilà, Clément qui est un des pionnier, j'ai envie de dire, de la paléoculture. On est encore en train de discuter comment on peut appeler notre discipline, parce que c'est vrai qu'il y a encore un petit flou là-dessus. Peut-être occasion aussi dans un autre webinaire d'en parler. Donc, les techniques que nous utilisons, c'est le relevé sous photo, avec, on a déjà entendu cette nécessité de changer l'éclairage. Alors là, j'ai vraiment exporté ce que je faisais déjà sur la préhistoire. Donc, on fait des relevés tracés sur des tablettes numériques, sur des photos. Donc, voilà, ce relevé sur photo, il est à la fois important parce que c'est un outil de déchiffrement. C'est un outil aussi de transmission de ce qu'on a lu sur le mur envers des collègues et du public. Mais c'est surtout avec le temps qu'on passe sur ce relevé, c'est une source de questionnement spécifique sur la conservation, sur les détails iconographiques et aussi sur les aspects technologiques, comment ces gravures ont été faites, avec quels outils, avec quels gestes, et ainsi de suite. Alors du coup, le relevé, pour moi, est vraiment
même de façon assez classique, le temps qu'on passe sur un graffiti est absolument important et même incompressible qu'on doit passer parce que sinon on ne se pose pas les bonnes questions. Donc peu importe quelle technique on va après utiliser pour faire les bonnes Pour enregistrer les gravures, forcément, on est sur la 3D, il y a du relief. Alors, du coup, l'idée, c'était quand même de trouver un moyen d'enregistrer ces gravures. Et je suis parti là aussi des protocoles que j'avais déjà développés sur l'art paléolithique. C'était des scanners 3D à lumière structurée, donc aux projections de franges, qui viennent à la base de l'industrie de la dermatologie. Qui ont des résolutions assez élevées, inframillimétriques, dans les 50 à 100 microns. Donc, on rentre vraiment dans des possibilités d'enregistrement de gravures assez fines. Une technique sans contact, une technique plus ou moins transportable. Alors, c'est pas non plus, ça passe pas dans la poche, mais on peut le ramener sur le site. Alors, du coup, on a opté pour cette technique-là. Par contre, là, le coût est élevé. L'achat d'un scanner comme ça coûte 120 000 euros. Donc, nous, on est parti sur une formule de location et formation. Donc, chaque année, pour la mission, je louais un scanner et puis je le rendais à l'entreprise. L'avantage, c'était que je l'avais de manière calibrée, clé en main, pour ma mission. Et puis, je n'avais pas à m'occuper le reste de l'année de ce scanner. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Voilà les résultats. Alors, un scan 3D, en fait, un des murs. Alors, on a déjà entendu supprimer la couleur, c'est très bien parce qu'on voit mieux les gravures. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant pour peuvent être ouvert dans un logiciel, dans plein de logiciels différents, où on peut changer l'éclairage. Alors, pour consulter ces documents à distance, c'est quelque chose d'assez pratique. Vous voyez là un petit peu la résolution, en fait. Donc, quand on regarde les détails, ici, vous avez des toutes petites figures avec des détails de représentation qui sont vraiment inframillimétriques. Et puis, on les a bien, bien enregistrés. Une autre utilisation de ces images 3D, c'est forcément l'accès à la profondeur des creusements, des tracés. Et là, par exemple, vous avez une cartographie des profondeurs de creusements de ces bas-reliefs, de ce Saint-Georges, par exemple, où ces images permettent de documenter parfaitement lisible les profondeurs de creusement et les aspects techniques de la production. Donc, ce que nous faisons, ce que nous produisons beaucoup dans nos études, c'est des images d'images, en fait, hein, qui sont produites par des sources bien, bien différentes, mais qui sont tous convergentes et complémentaires. Donc, on a la photographie scientifique, on avait aussi les relevés pierre à pierre, déjà pour situer les endroits où nous travaillons. On a besoin de dire où est-ce qu'on a travaillé. Enfin, la localisation des interventions est extrêmement importante. Nous avons les relevés graphiques des gravures, et puis après, nous avons notre banque de données avec les scans 3D qui peuvent aussi interagir avec l'action du relevé. Donc, je dirais, un produit dérivé de notre projet, c'est que le souhait, comme je vous ai dit, le site, il est donc fermé au public. Et la ville de Cambrai a souhaité de le rendre accessible au public. Et on passe aujourd'hui, alors grâce à un projet de photogrammétrie, où on a donc modélisé l'intérieur du château par photogrammétrie et à l'aide d'un outil, donc une lunette en réalité virtuelle. Donc c'est l'Oculus Vive, il s'appelle celui-là.
et qui permet aujourd'hui aux visiteurs de s'immerger au château de Celles. Alors, vous voyez Lydie Perrault de la ville de Cambrai qui a dans sa main aussi une sorte de petit joystick qui sert en fait aux visiteurs virtuels comme lampe torche. Alors, quand vous rentrez dans le château de Celles virtuellement, vous un aspect vraiment très très interactif au point qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent plus rester dans cet espace virtuel, ils veulent sortir parce qu'ils ont peur du noir et puis c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Tout cela pour dire que voilà, on a un outil de visite et puis les images que je vous ai montrées, donc de l'imagerie qui a été faite pour des recherches est introduit dans cet outil virtuel. Vous pouvez cliquer à certains endroits donc dans cet outil pour consulter ces documents que vous allez avoir comme un moulage dans la main et que vous pouvez porter devant votre visage et regarder de près. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez ludique, j'ai envie de dire. En même temps, quand on est dans cet espace virtuel et puis on regarde ces moulages, ça peut être aussi un outil assez intéressant en termes de dialogue avec des collègues devant un autre ordinateur, par exemple, pour échanger sur un sujet gravé, par exemple. Ça peut être aussi une issue par exemple, en termes de Covid, on n'a plus le droit de se voir, n'est-ce pas? C'est d'échanger à la base de ce genre de plateforme sur les sujets. Donc, et puis si on retourne, on peut aussi retourner à la matière. Alors là, j'ai fait des essais en fait avec un laboratoire d'impression 3D en région parisienne qui font ça depuis très très longtemps. On a imprimé certains scans du château de Celles pour voir qu'est-ce que ça donne quand on retourne dans la matérialité, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, des termes muséographiques. Mais aussi peut-être pour des restaurations futures au sein du château de Celles. En cas de dégradation encore continue, on pourra peut-être, à partir des données 3D, produire des sortes de couronnes, en fait, et puis les réinstaller sur le site même. Donc ça, c'est un peu toutes ces ouvertures qu'on pourrait donner sur ce genre d'application. Donc, les grands enjeux, forcément, quand on produit ces images, moi, je m'occupe beaucoup des questions d'archivage de toutes ces données. Forcément, on est tous dedans qui sont dans le numérique. C'est que où et comment on stocke ces données de manière pérenne, parce que ça coûte cher en production et puis c'est quand même assez fragile. Donc, c'est vraiment extrêmement important de garder ça en tête où on conserve ces données et puis où on les stocke, comment on les partage. Donc, la présence de projets interdisciplinaires et sur le thème du graffiti est extrêmement important. Et puis, on voit immerger. Alors, on est en plein dans un webinaire qui est la parfaite preuve de ces intérêts croissants, en fait, sur la thématique. Donc, je me salue. Et puis aussi des réflexions sur l'exploitation et la valorisation de ces données envers du grand public plus ou moins proche de nos thématiques. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter et puis il y a beaucoup de monde qui sont assez attachés à ces messages un peu éphémères, cachés, qui sont les graffitis qu'on trouve. À les époques, c'est depuis la préhistoire, en fait. Hein, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot art rupestre médiéval et moderne, parce que je l'emprunte forcément à ma chère préhistoire, qui elle-même est un mot qui est à discuter, parce que moi, je pense qu'on n'est plus dans une histoire ancienne que dans une préhistoire. Donc là, on va rentrer quasiment de la philosophie, ce qu'on ne peut pas faire. Peut-être ce qui serait souhaitable dans ce domaine, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment d'institutionnaliser les recherches, donc de créer des programmes de recherche de plus en plus nombreux qui sont déposés auprès de l'État en tant que tel, en tant que recherche programmée, donc de les rendre visibles en fait en termes de recherche approfondie, comme au même titre que d'autres projets de recherche. Archéologique, des prospections en art rupestre, des grottes ornées, enfin tout ça c'est très établi, mais je pense qu'on est dans ce cas-là. Forcément de croiser les approches, encore une fois nous sommes en plein dedans dans le cadre de ce webinaire, et puis effectivement d'échanger sur nos résultats, sur le vocabulaire que nous utilisons et forcément aussi sur les,
sur les méthodes. Donc, encore une fois, je remercie l'organisation de ce webinaire et puis je suis impatient d'avoir vos questions et des échanges avec vous. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, le but, c'est bien d'échanger là, ces résultats, ce vocabulaire, nos méthodes. Et j'ai bien noté là, cette problématique du nom, comment nommer tout cela. Alors, voilà, pas forcément paléographie, peut-être archéologie de l'écriture. Et je rappelle qu'il y a aussi des concepts qui ont émergé récemment, ou au moins dans ces 20 dernières années, si ce n'est plus la glyptographie ou encore la graphitologie. Donc, ça montre que c'est effectivement un champ qui nous travaille beaucoup en France et peut-être qu'on était un peu, je veux dire, un peu en retard. Je pense notamment aux Anglais qui ont développé des choses bien avant nous. Voilà. Donc, mais je cède la parole à la salle, à tous ceux qui voudraient poser des questions, donc que ce soit à Nicolas, Jacques et même Hervé. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, n'hésitez pas soit à rallumer vos caméras pour discuter, soit à écrire dans le chat vos questions, comme vous le souhaitez. Alors, si personne ne pose de questions, voilà, je vais en poser une. Vas-y. Voilà, j'étais très intéressé hein, par le, bon, alors, pour le château de sel, bien sûr, parce que voilà, c'est un site qui m'a permis de m'initier justement à ce type d'études que je continue toujours de faire avec beaucoup d'intérêt et de passion. Mais là, c'était plutôt par rapport à la première intervention sur le transfert des techniques d'imagerie utilisées en mécanique des fluides. J'aurais aimé savoir quel était le degré de précision et la résolution qu'on pouvait attendre de l'utilisation d'un tel type de technique, parce que je pensais en particulier à des inscriptions qui sont très 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 effacées, comme on a au château de sel. Justement, c'est un endroit dans lequel des inscriptions ont été lavées, et c'est un relief, il ne reste plus qu'une sorte de fantôme, un relief qui est micrométrique, voire même inframicrométrique. C'est extrêmement difficile à déceler, indécelable en lumière rasante. Donc voilà, je voulais savoir si ça pourrait peut-être permettre de répondre à ce genre de problématique. Je vais répondre. Hein. Alors on est avec des appareils, enfin de l'appareillage quand même grand public, hein. Faut pas oublier. On peut aller à 12 mégapixels et on peut adapter, on peut avoir des optiques d'adaptation notamment. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu tester encore la caméra 12 mégapixels, mais cette caméra a un objectif, une monture limitée, donc en fait on peut mettre à peu près n'importe quoi, y compris un microscope, et à ce moment-là on peut aller regarder effectivement des zones très très petites. 12 mégapixels, c'est une sacrée résolution déjà. On est au dixième de millimètre. Oui. Sur un écran, sur une dizaine de centimètres. On est au dixième de millimètre, c'est bien déjà. D'accord, oui, très bien. Alors, pour moi, en fait, c'était surtout, alors, pour la résolution, d'accord, je pense effectivement que 12 mégapixels sont tout à fait suffisants, mais c'était surtout pour la capacité à faire ressortir un relief qui est vraiment, ça serait plutôt en partant de la lumière ou de la source lumineuse, en fait, oui. Sa capacité à faire ressortir un micro-relief, en fait. Alors, effectivement, c'est là où c'est là où les techniques avec balayage seraient plus intéressantes, parce que je pense que ça a vraiment, il faut vraiment qu'on essaie ça. Alors, le problème, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut balayer, faire un balayage comme on fait un balayage sur un anciennement un téléviseur, c'est-à-dire qu'il faut aller scruter chaque ligne et chaque... Et puis à chaque fois récupérer la luminosité. Donc là, c'est pas forcément avec une caméra ça va se faire. C'est effectivement, on est dans le scanner 3D, hein. C'est exactement ça. Bon, effectivement, avec un coût bien moins élevé, et puis surtout la facilité de transporter cet outil. Mais il faut vraiment, nous, on va essayer de développer quelque chose. Avec de très faibles moyens financiers. C'est un petit peu le motif. Très bien, merci beaucoup.
pour votre réponse. Je crois que Daniel avait, j'ai vu tout à l'heure, ouais, voilà. Une question pour Nicolas Mélard, en fait, par rapport au scanner 3D. Enfin, deux questions, en fait. La première, c'était quelle surface l'appareil peut scanner en une seule fois. Et la seconde, c'était de savoir si pour, par exemple, le scan d'une pierre ou d'un panneau, il y a un seul balayage qui est fait ou est-ce que vous prenez depuis deux endroits différents histoire d'avoir les deux côtés d'un sillon de gravure, par exemple. Ou est-ce qu'il peut y avoir des manques sur un scan? Je ne sais pas si tout est clair. Tout est clair. Parfait. Merci. Merci, Daniel. La première question, c'est que je travaille, là c'est pareil, le scanner a des différents champs de mesure en fait. Je travaille, parce que c'est toujours la question, quelle est la résolution cherchée et puis la surface qu'on a besoin de numériser. J'ajoute ça, c'est assez grand. C'est-à-dire que c'est... j'avais besoin, par exemple, vous avez vu, le Saint-Georges, il fait 1,10 m de haut, le mur entier, il fait 2,20 m de large. Alors, pour moi, les panneaux que je voulais numériser qui sont en danger, ils sont assez grands. Du coup, ce que j'ai choisi comme champ de mesure, c'est un champ de 40 cm. Il a un diamètre de 40 cm. Et par exemple, pour ce mur où il y a le Saint-Georges, j'ai fait 75 scans. Le scanner, je le déplace manuellement. Et le grand avantage du dispositif que j'utilise, ils ont beaucoup évolué dans ce domaine-là, c'est que j'ai plus besoin de repères sur le mur, parce que le scanner, si je chevauche un petit peu le premier et le deuxième scan, il reconnaît le relief déjà scanné et puis il va recaler pendant la mesure déjà. Le scan qui succède au précédent. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour ceux qui font du scan 3D, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, voire source d'erreur. Quand on doit, alors déjà, au début, il fallait mettre des repères, des petites pastilles un peu partout, ça c'est hors de question, de les coller, forcément, on arrive à un truc, on dit c'est une technique sans contact, mais on a un truc de mur de repères, c'est pas possible. Et là, on est vraiment sur quelque chose où c'est assez ergonomique. Je dirais que dans les 10 ans, j'ai passé en tout 10 mois peut-être, ouais, ça fait 10 ans, 10 mois sur la 3D, et puis j'ai numérisé 90 mètres carrés dans cette résolution-là. En fait. Mais c'est toujours ça aussi, on hiérarchise, parce que c'est vrai que c'est des choses assez chronophages. Mais en même temps, c'est quand même des rendus assez intéressants. Donc voilà, ça c'est le. Je pense que c'était les deux questions hein, qui étaient posées. Et pour compléter, combien de temps du coup pour réaliser le Saint-Georges? Vous dites 75 scans, c'est en jour, en semaine, ça représente combien de temps? Une journée. D'accord. Ok. Oui. C'est une bonne journée de travail. Souvent, on oublie le temps, mais une journée sur 8 heures. Enfin, voilà, ça, une fois que tout est installé, ça va. Hein, une capture, c'est une trentaine de secondes. D'accord. Donc, okay. Voilà. Donc, c'est vraiment. Et puis, oui, forcément, la question, c'était est-ce qu'il y a des points perdus? Oui, mais seulement quand il y a vraiment des surcreusements où la lumière, parce qu'il y a deux caméras en fait, qui regardent la scène. Alors, du coup, des fois, il y a des points non mesurés. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait un deuxième scan un peu décalé pour regarder un peu plus de biais. Alors, ça se fait. Et des fois, ce n'est pas possible parce que dans un trou trop profond, par exemple, mais les trous perforés dans le mur, par exemple, au fond, ils sont non mesurés parce que des caméras, ils voient jamais la même chose, en fait. Mais voilà, c'est des images. Ce que je montrais, c'est il n'y avait quasiment pas de points que j'ai masqués, en fait. Vraiment, ces murs-là, ils sont vraiment. Le scan est très, 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 très propre. Ok, merci. Merci. D'autres questions? Ah, je vois Sonia, oui. Oui, moi, je vous remercie beaucoup, tous les deux. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et j'ai une question concernant le scanner portable, parce que je trouvais que les résultats, ils me semblaient vraiment très bien. Et on prend le scanner, bon, je vais montrer parce que sinon on ne comprend peut-être pas. On prend le scanner avec les mains et on le bouge, ou comment est-ce qu'on fait?
C'est peut-être Hervé qui va vous répondre, parce que c'est lui qui a fait qui a fait justement cette partie. Et en fait, Hervé? Oui, je suis là. Bonjour. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des essais sur les murs de l'ANSMA, qui sont des murs en béton compressé très rugueux. Et effectivement, le laser, normalement, on le fait glisser sur un format, un papier A4. Et il y a une petite molette sur le bord qui roule et qui va lancer l'enregistrement. Et sur des surfaces, je me suis rendu compte très vite que sur la surface du mur, la roulette ne tournait pas. Et donc, j'avais comment dire, j'avais pas une image, j'avais juste une ligne à un moment donné, une photo, mais une ligne très fine. Et le scan ne se lançait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé une tôle inox que j'ai ajourée à un format A4 au milieu. J'ai recoupé les bords sur la grande longueur et pour que ça fasse un guide aux limites du scanner. Et avec des feutres dessous pour ne pas abîmer le support sur lequel on l'appuie, je pouvais glisser mon scanner, la molette roulait et j'ai pu faire le scan. Alors, j'ai fait trois essais parce que là, il faut une vitesse. Vous voyez comment fonctionne un scanner autonome demain. Il faut avoir une vitesse relativement peu rapide, mais homogène. Donc, au bout du troisième test, bah, effectivement, là, j'ai réussi à faire les photos. Mais j'ai vraiment bien compris que c'est vous qui a contrôlé le scanner avec votre main. Oui, tout à fait. Bah, le scanner, Parfait. il a une gamme de vitesses, si vous voulez. Il est calibré pour une vitesse précise, à peu près, pas précise, à peu près. Pouvoir en faire l'enregistrement. Et donc, la vitesse de déplacement est corrélée aux prises d'image. Donc, quand vous n'allez pas trop vite et que vous êtes dans la gamme, ça se passe très bien. Enfin, après, il faut Okay. l'essayer sur des documents A4, des gravures à plat, et ça marche très bien. Il n'y a pas de Ah, souci. super. Ben, je crois que je vais essayer ça. Ça m'a bien plu. Merci. De rien. Et je voudrais préciser aussi que probablement qu'on peut trouver des scanners à main où il n'y a pas de molette, justement, où il se sert d'un dispositif infrarouge pour justement faire dérouler l'image. Et peut-être que ça, ce serait la solution parce que ça évite évidemment le contact avec le matériau, ce qui est quand même un problème. Merci. Je voudrais vraiment du coup en profiter pour remercier Jacques et Hervé parce que une des contraintes qu'on leur avait exprimées, enfin des problèmes qu'on leur avait exprimés, c'était effectivement les problèmes de coût, ça oui, mais aussi pouvoir, comme Jacques l'a très bien dit, aller sur les sites, que ça restait assez discret parce que certains sites, notamment les lieux saints là en Israël-Palestine, c'est un peu difficile. Avoir des choses portables, voilà, et la bidouille dont a parlé Jacques est finalement est vraiment très appréciable. Voilà. Peut-être des choses simples, un peu détournées, peuvent être très, très utiles. Est-ce qu'il Oui, y a d'autres questions? si on m'entend. Oui. Philippe, pour Sigila, nous, on est en train d'expérimenter le scanner à main 3D directement. Et je voulais poser la question à Nicolas Mélard du problème de l'archivage. Comment, vu l'explosion de la masse de données, comment ils ont résolu le problème de stockage? Il n'est pas résolu. Pardon? Il n'est pas résolu du tout. Je suis toujours inquiet pour les données du château de sel. Hein. C'est que j'ai la grande chance qu'avant le passage au CDRMF, effectivement, on a des serveurs qui sont extrêmement sécurisés sur lesquels on peut stocker des téraoctets. Alors, j'ai en effet pu mettre mes. Intégralement mes données brutes et les modèles 3D donc sur ce serveur. C'est quelque chose vraiment à réfléchir et puis à vraiment intégrer dans les projets de recherche, dans le contenu du projet, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on produit après, D'accord. parce que finalement aujourd'hui le numérique il constitue quand même 90% même plus des données qu'on a produites hein, par rapport au texte qu'on écrit ou voilà c'est en tout cas là je parle pour l'archéologie Et voilà c'est de la point de vue du des formats, quel format vous utilisez et qu'est-ce qui est pérenne et fait vraiment pérenne? Et est-ce qu'il y a des formats en développement qui sont intéressants à maîtriser?
Alors, avec un regard en arrière, il y a des formats qui se stabilisent quand même beaucoup. Alors, il y en a trois. Enfin, il y a le STL, oui. Il y a le PLY, oui. Il y a le ASCII. Donc, ça, c'est des choses sous lesquelles, même si ce n'est pas le plus pratique à travailler, ça, c'est les trois formats sur lesquels j'enregistre mes données développées. Quand j'ai un modèle 3D, sans les points que je rebouche, parce que pour être honnête, aux futures générations, je préfère avoir les données brutes avec les trous. Donc, je m'enregistre sous ces formats-là. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis maintenant quasiment 40 ans, en fait, hein, existe et a l'air de se démocratiser, quoi. Donc, j'essaye pour l'instant de me centrer sur ces formats-là. Et après, forcément, mes données brutes, ils sont dans un format qui sont liés au matériel que j'utilise, où là, je suis complètement contributaire de l'existence du software qui va avec ces données-là. C'est pour ça que j'essaye, à la fin de mon projet, toujours me détacher de ces données-là, même si je les conserve pour l'instant. Mais c'est de créer des données assez universelles. Et ça, c'est des quatre formats que je viens d'évoquer. Donc, ça, c'est mon avis pour l'instant. D'accord. OK, merci. Et alors, juste une petite question. Alors, peut-être, là, c'est pour se rendre compte. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner une idée du volume que représente l'information de ces murs numérisés au château de Celles, où j'imagine que ça se compte en téraoctets. Merci Clément, on n'a pas encore atteint le téraoctet. Les données brutes, en fait, si je prends les 90 mètres carrés du château de Celles et je compte les données brutes plus les modèles haute définition que je peux avoir, je suis à peu près à 600 gigaoctets, en fait, pour l'instant. D'accord. Donc, il y a quand même encore quelques doublons. Ça, c'est un comptage que j'ai fait la dernière fois quand j'ai fait une grande sauvegarde. Dedans, il y a quand même quelques murs qui sont doublés. Enfin, je veux dire, je pourrais, pour l'archivage, on pourrait carrément élaguer ces 600 gigaoctets et en faire 400, je pense. Mais là, pour l'instant, d'accord, de manière opérationnelle, on est dans ces ordres-là. D'accord, oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a d'une part la nécessité d'avoir des techniques auxquelles tout le monde peut accéder, hein, d'un point de vue financier, d'un point de vue savoir technique, mais il y a aussi le fait d'avoir à sa disposition les machines et la capacité de stockage, là, parce que quand on parle d'un ratio de 400-600 gigas pour 90 mètres carrés, cela veut dire que bon, si comme dans mon cas ou dans d'autres cas, on s'intéresse à plusieurs monuments à la fois et qu'on fait des études comparatives, on va exploser, on va aller au-delà du téraoctet, et pour un particulier, c'est pas du tout envisageable, en fait. Ou c'est très difficilement envisageable. Oui, alors c'est un peu, c'est vrai, hein, on a fait un peu de données, mais là quand je parlais des 600 gigaoctets, c'est vraiment avec les données brutes. On ne touche jamais, alors toi par exemple, tu n'as jamais touché aux données brutes finalement, à part quand on a créé des détails, des textes qui t'intéressaient. Oui. En fait, ce qu'on utilise en tant qu'utilisateur, alors archéologue, historien, c'est les modèles 3D en PLY, et ceux-là, ils sont beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Par exemple, le fichier du Saint-Georges en pleine résolution, il pèse 400 mégaoctets, tout le mur en haute résolution. D'accord, oui. D'accord. Mais il faut quand même. Même un ordinateur portable normal. Accueillir le fichier et en tout cas l'ouvrir, en fait. C'est ça aussi, parce que je prolonge ta question. Parce que il y a le stockage et surtout après, il y a mouliner les données. Alors c'est vrai qu'on doit produire quand même des choses qui sont traitables avec des ordinateurs bureautiques, enfin bureautiques améliorés. Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'équiper, mais ouvrir un fichier de 400 mégaoctets aujourd'hui, c'est plus de la magie, en fait. Hein. Il y a pas mal de choses. Alors, il faut s'acheter un bon ordinateur de gamer et puis on est au-delà. Voilà, c'est...
D'accord, oui, très bien. Merci beaucoup, parce que je pense que c'est aussi des éléments vraiment là, ce que tu dis là sur le matériel personnel et le fait que ces fichiers soient archivés, mais soient aussi lisibles et aussi qu'on puisse les transmettre pour les étudier ou en discuter. C'est vraiment très important, je pense aussi. Voilà, merci beaucoup. Pour la question, surtout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à la... Oui, Paul. Merci. Merci Estelle, merci à tous les deux. C'est un sujet passionnant. Je suis content d'enfin pouvoir rejoindre le webinaire. C'est un sujet qui m'importe aussi beaucoup, comme vous le savez. J'aurais voulu poser des questions naïves aussi, mais forcément, moi, je suis un historien, donc là, je pose des questions naïves. La question que je voudrais poser, c'est d'une part, est-ce que comment c'est toute cette documentation colossale que vous avez réunie les uns les autres, comment tous ces ensembles photographiques sont-ils disponibles et est-ce qu'il y a des projets pour les rendre disponibles à moyen terme, on va dire, est-ce qu'il y a des espaces prévus pour ça? Est-ce qu'il y a des outils de visualisation au-delà? Bon, je vois très bien ici, on est dans une approche qui est très archéologique, hein, donc forcément, le matériel est à disposition dans les laboratoires, chez les équipes, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par ailleurs? Ça, c'est une première question, très intéressée, évidemment. Et la seconde question, qui est une question plus technique, alors c'est le côté un peu plus humanité numérique. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez des contacts avec Humanum, avec la grille d'Humanum, avec la possibilité d'héberger les choses, pas seulement d'héberger, mais aussi de pérenniser les choses avec eux. Pour les grosses masses de données, maintenant, ils sont très au point. Je suppose que vous savez tout ça, mais c'est pour savoir quels sont les rapports, et aussi avec le consortium 3D, si vous avez des liens les uns et les autres avec le consortium 3D. Voilà, c'est juste un peu, ça c'est la partie un peu plus technique, voilà, des petites curiosités. Merci. Alors du coup, je ne sais pas qui veut répondre, je ne suis pas sûre que, donc Jacques et Hervé eux, étaient plus là en création d'outils techniques. Peut-être Nicolas ou d'autres. Oui, Nicolas d'abord et après je pourrais répondre un petit peu. Oui, vas-y, Estelle. Non, mais voilà, moi, je pensais à Humanum, mais pour les projets qu'on monte, c'est effectivement Humanum qui est derrière. Donc, je ne vais pas dire que la question est résolue, mais en tous les cas, on a une aide absolument formidable qui est à portée de main et dont qu'on explore. Et qu'enfin, moi, je découvre jour après jour, je découvre l'ampleur plutôt jour après jour. Voilà. Et puis, on est maintenant, avec tous les projets de recherche, obligés de faire des plans de gestion de données. Donc, toutes ces questions, Nicolas, que tu as évoquées, elles sont dedans et on doit y répondre vraiment de manière obligatoire et fine, parfois de très contraignante, mais absolument nécessaire pour ces questions de pérennité. La question se pose plus, en fait, pour les projets personnels. Ben, évidemment, par exemple, la thèse de Clément, oui, là, c'est un autre problème et qu'on ne prend peut-être pas assez en compte, en fait. Comment les laboratoires, peut-être c'est à mon sens au laboratoire de le faire, de proposer peut-être des outils d'archivage, ou notamment avec Humanum, c'est assez simple. Enfin, je pense qu'on a ça, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, c'est sûr. Oui, tout à fait. Il faudrait directement former, je pense, les docteurs, les doctorants à l'utilisation des grands outils de transfert de données comme Nacala et autres. Ce ne serait pas très compliqué, mais ce serait vraiment utile. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Paul. Je laisse peut-être Nicolas répondre. Oui, alors c'est tout à fait, je rejoins tout à fait. Alors, pour le chat de scène, Humanum, c'est certainement une de mes victimes que je vois. Hein. Je vais voir comment je peux les inonder avec les données du chat de scène. En amont de ça, c'est pour ça que je rappelle la sollicitation de dire de créer vraiment des recherches programmées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en termes associatifs. En tout cas, pour les graffitis, je vois beaucoup ça. Quand on veut faire des fouilles, aujourd'hui, ça ne marche plus, en fait, parce qu'on n'a plus d'autorisation de fouilles, ça ne se voit plus, c'est devenu beaucoup plus réglementaire. Moins pour les graffitis, et je vois tant d'associations qui font des relevés, des photographies de gravures, et c'est vrai qu'on pourrait avoir une
base de données mais incroyable depuis la préhistoire jusqu'au graffiti pour pas citer Bansky, voilà, c'est large. Et c'est pour ça, cette recherche programmée, elle me contraint, la DRAC, elle me demande de verser mes données à la DRAC, en fait. C'est-à-dire que je dois les préparer. Et pour le Château de Selles, en tout cas, pour répondre, c'est que moi, je prépare une base de données intra-site, donc basée sur un plan du Château de Selles, dans lequel je localise mes endroits de scan et dans lesquels sont mentionnés tous les endroits qui ont été scannés entre 2011 et 2020. Donc, dedans, on va trouver tous les noms des fichiers qui sont reliés aux fichiers qui sont dans une arborescence donc logique sur le site. Et ça, c'est le set de données que je vais verser à la DRAC. Donc, il sera disponible par une demande à l'État, hein, parce que s'ils gardent bien leurs données, ils vont pouvoir les rendre accessibles. Et sinon, moi, je les garde accessibles en ce moment à mes collaborateurs. Clément le sait, pour l'instant, ce plan n'existe pas, en tout cas pas de manière interactive pour l'utilisateur. Mais quand Clément m'avait demandé, voilà, j'ai besoin de la tour 4 niveau 2, tel et tel texte, eh bien, je l'ai ouvert, j'ai cherché le fichier, je lui ai fourni le dossier 3D. Et puis, pour visionner les choses, il y a plein de visionneuses assez sympathiques qui sont gratuites d'ailleurs, où vraiment avec ça, on peut les ouvrir. Moi, on peut jouer avec la lumière, faire quelques mesures, faire des petites choses. Alors, une fois que le document est créé, les choses ne sont plus très chères et compliquées à mettre en œuvre. À chaque fois avec forcément une petite formation. Mais voilà, alors merci pour cette question parce que ça appuie vraiment cette importance et puis tout l'intérêt parce que moi, encore une fois, je suis préhistorien et le premier fichier pour l'anecdote du Saint-Georges, je l'ai appelé Saint-Michel. Voilà, alors ça en dit long. Merci beaucoup, Nicolas. On va continuer, si vous le voulez bien, donc avec notre deuxième session. Et donc,